Je suis bien zozo chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. L'éveiller, c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Et le travail de nuit ne me fait pas peur. Avec ardeur, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents ne voient pas rentrer, ils disent y'a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Dans les grandes maisons de couture, y en a qui sont trop teints. Y a des vendeuses et par nature, y en a qui sont mannequins. Y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Mais moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en biais. Pour bien biaiser une robe, ma foi, y'en a pas de comme moi. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. L'éveillé, c'est tout mon bonheur. Je suis pas pour la journée de 8 heures. Et le travail de nuit me fait pas peur. Avec ardeur, avec entrain, je biaise du soir au matin. Quand mes parents ne voient pas rentrer, ils disent y'a pas à s'inquiéter. Elle est encore en train de biaiser. Je vais m'établir bien vite, me marier, quel bonheur, avec un garçon plein de mérite, qui est ouvrier plisseur. Pour nous installer à l'aise, comme nous n'avons pas le sou, je biaiserai d'abord sur une chaise et lui plissera tout debout. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de retard, qu'on dise pas que je biaise en canard. Je suis biaiseuse chez Paquin. Pour mon métier, j'ai le béguin. C'est ça qui serait gentil, ma foi. On fera l'ouvrage chez soi, en s'entraînant comme chacun le doit. Avec ardeur, avec entrain, on se tatouera le turban. Afin de ne pas nous escarter, lorsque j'aurai fini de biaiser, c'est lui qui se mettra à pisser.